Et salut YouTube! Qui dit nouveau Call of Duty, dit évidemment nouveaux paramètres pour être le meilleur sur le jeu. Afin d'être compétitif, je tenais à partager avec vous tous mes settings au niveau de MW3 en termes de FPS et évidemment de visibilité pour engager les équipes dans de bonnes conditions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans les commentaires. Si le contenu vous a plu ou vous a aidé, le petit pouce bleu, un petit follow comme ci-dessus et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc pour commencer, on va se rendre sur le lien GitHub qui se trouve dans la description de la vidéo et on va aller directement sur ce petit lien bleu où il y a écrit Download Latest Release. Donc on va cliquer dessus, ça veut dire télécharger la dernière version. Donc lorsque ça a été téléchargé, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous l'ouvrir dans un logiciel pour l'extraction. Donc là par exemple j'utilise WinRAR et une fois que vous avez fait votre extraction, moi par exemple je vais le faire sur mon bureau, vous obtenez ce dossier. Donc dans ce dossier vous avez des fichiers, donc le fichier avec le sourire, c'est l'application en elle-même. Donc si je double-clique dessus, j'ai le menu qui s'ouvre et vous avez un fichier où il y a écrit Warzone 2 Lutte. Donc une fois que vous rentrez dedans, moi j'ai déjà des fichiers, vous allez venir alimenter des fichiers ici. Donc pour ce faire, on va retourner dans la description et on va récupérer les liens vers les fichiers suivants. Donc vous allez cliquer sur le second lien qui se trouve dans la description et vous allez obtenir le lien direct vers un fichier Google Drive qui s'appelle Misto MW3. Donc c'est ce fichier-là qu'on va devoir télécharger et une fois qu'il est téléchargé, on va venir le placer dans ce dossier Warzone. Donc vous voyez là, j'ai plusieurs fichiers dont le Misto MW3.cube. J'ai aussi celui pour Almazra puisque je joue encore à Warzone 2 et j'en ai aussi un spécial pour Vondel. Si vous voulez récupérer les fichiers Almazra et Vondel, vous pouvez voir dans une ancienne vidéo de paramètres spécialisée sur Warzone 2. Ils sont également en description pour les récupérer. Donc là, on parle bien d'un fichier spécial pour le multi. Donc une fois que je l'ai mis ici, je peux retourner sur mon application. Donc là, je vais mettre l'application en premier plan. Donc vous voyez l'application, vous avez une ligne ici, vous la mettez en surbrillance. Ensuite, vous allez venir cliquer sur Browse au niveau de HDR Lutte. Une fois que vous faites ça, vous venez chercher le dossier qu'on a alimenté tout à l'heure avec le Misto MW3. On double-clique dessus, ça vient l'injecter dans le logiciel. On va faire pareil pour la ligne SDR Lutte. Donc le SDR et le HDR, c'est en fonction de la norme que vous avez choisi pour jouer sur votre écran. Moi perso, je joue en SDR parce que le HDR ne sert pas à grand chose, je trouve, sur Warzone et ça prend de la performance pour rien. Donc je double-clique ici. Une fois que mes deux lignes sont remplies avec le bon chemin du fichier, je viens cliquer sur cette ligne. Et lorsque je vais appuyer sur Apply, on va même le voir sur mon bureau, ça a appliqué un filtre, la couleur de l'arrière-plan a changé. Donc là, vous avez un filtre de coloration qui a été appliqué à tout l'ordinateur. Et c'est un filtre qui consomme beaucoup moins que les filtres Nvidia et qui est vraiment très efficace, vous avez pu le voir sur la vidéo d'introduction. Ensuite, pour la seconde partie, on va se retrouver directement dans le menu. On va directement dans Interface. Et lorsque vous êtes dans Interface, vous avez la partie Personnalisation des couleurs. Donc lorsque vous cliquez sur Personnalisation des couleurs, vous allez avoir ce menu qui apparaît. Et avec ce menu, donc, vous pouvez personnaliser vos choix d'équipe. Moi, personnellement, j'ai mis du jaune et du rose pour que ça pète bien sur la map. Et ensuite, à l'endroit de filtre de couleur, d'origine, vous allez être sur aucun. Et là, je vous conseille vraiment d'aller utiliser le filtre 2. Le filtre 2, il va raviver à la fois les couleurs du menu et du jeu. Et là, vous mettez bien les deux, à moins que vous ne voyez pas que ça booste les couleurs du menu. Mais moi, je mets les deux. Et lorsque vous avez ces réglages de couleurs plus les réglages du lutte que je vous ai montré précédemment, vous obtenez une couleur bien éclatante et vraiment une très bonne qualité pour le stream. Ceux qui ont l'habitude de venir voir le live savent de quoi je parle. Donc je vous conseille vraiment d'essayer les paramètres. Après, vous pouvez baisser un petit peu l'intensité. Si vous trouvez que c'est trop puissant au niveau du menu, vous pouvez simplement, lorsque vous êtes dans le menu personnalisé, baisser l'intensité de la couleur du monde. Donc lorsque vous allez mettre ici, vous pouvez gérer entre 0 et 100 et vous aurez un petit peu moins d'éclat. Mais par contre, je vous conseille vraiment d'utiliser le lutte qui lui vous permet d'avoir de très belles couleurs in-game. Donc ensuite, on va aller se diriger dans les paramètres. Donc là, le but, ça va être d'avoir un maximum de FPS et de fluidité en fonction de votre matériel. Donc on va commencer par les paramètres graphiques. Donc là, très très important,
jouez en plein écran exclusif. C'est le seul mode où vous allez avoir très peu d'input lag et vous allez avoir vraiment les pleines capacités de votre ordinateur. Si vous mettez en plein écran sans bordure, vous allez vite voir la différence. Essayez chez vous, mettez-vous en plein écran sans bordure, vous allez voir que ça lag. Moi, je m'en rends compte directement dès que je suis pas dans le mode exclusif, parce que parfois mon boîtier d'acquisition change ce mode et je le sens tout de suite dans mon gameplay. Donc je vous conseille vraiment d'aller vérifier ça. Ensuite, l'écran d'affichage, ce sera votre matériel. Ensuite, la carte graphique, vous vérifiez bien si vous avez plusieurs cartes graphiques. Ça peut arriver sur des ordinateurs que vous soyez sur la plus puissante. Donc moi, perso, j'ai une RX 7900 XT de chez AMD qui tourne très très bien sur le jeu. Ensuite, taux de rafraîchissement, vérifiez bien que vous êtes au max de votre écran. Moi, je joue en 165 Hz, donc je suis au maximum. Après, vous avez la résolution. Moi, je suis en 2K, donc j'ai un matériel qui me permet de bien tourner là-dessus. C'est ce qu'il faut. Au niveau de l'affichage, on laisse en automatique. Les gamma, on ne touche pas à la luminosité. Veillez bien à ce que vous ayez le logo du milieu qui soit à peine visible comme on vous le recommande. Lorsqu'il y a des modes nuit, comme on a eu sur Vanded et tout, n'hésitez pas à le booster un peu. Mais le reste du temps, ne mettez pas trop de lumière parce que ça rend vraiment... Après, il y a un halo blanc qui vient se mettre sur l'image et c'est pas très intéressant comme qualité d'image. Donc ensuite, tout ce qui est mode écho, on ne l'utilise pas. Mettez personnalisé afin de pouvoir mettre 100 sur la synchro verticale. La synchro verticale du gameplay et des menus, on n'en veut pas. Ensuite, sur personnalisé, au niveau de la limite d'image, donc les IPS, pensez bien à le mettre à fond. Là, je mets 250. Ça permet à ce que en game, il veut vraiment aller chercher les performances maximum. Si vous avez un écran à 165, vous n'aurez pas plus de 165, mais au moins, vous n'allez pas forcément avoir de lag ou ressentir un manque de fluidité in-game. Je vous conseille de brider la valeur dans les menus. Moi, par exemple, j'ai mis 120 dans les menus. Ça permet que lorsqu'il y a des animations, par exemple, des soldats qui marchent ou un chien, comme on a pu avoir sur certains menus de MW, ça vous permet de ne pas faire trop chauffer la carte graphique. Il va rester à une fréquence d'image qui est un petit peu minime afin de ne pas trop consommer. Donc, surtout, s'il y a des gens qui sont habitués à laisser le jeu dans le menu et ne pas le quitter, baisser un petit peu, ça évite de faire chauffer le matériel pour rien. Ensuite, la limite par seconde à l'arrière-plan, je vous conseille de le laisser sur 30, c'est très bien comme ça. Mode premier plan, on ne le change pas. La gamme dynamique étendue HDR, comme je vous l'ai dit dans les filtres, ça ne sert à rien, donc on reste en 100. Ensuite, on va aller dans l'onglet qualité. Donc là, c'est vraiment la partie technique, c'est là où il va falloir trouver le bon équilibre par rapport à son matériel pour avoir les meilleures performances. Donc au niveau de la préconfig graphique, à partir du moment où vous allez modifier une valeur, ça va passer en personnalisé. Veillez bien à être en 100% ici, parce que si vous mettez plus, ça va consommer plus, et si vous mettez moins, vous allez détériorer la qualité de votre image. Résolution dynamique, on n'en veut pas. Au niveau de la mise à l'échelle et de la netteté, il y a beaucoup de tests qui ont été faits là-dessus par des professionnels, et il s'avère que le Fidelity FXCAS est vraiment le meilleur, donc je vous conseille de l'utiliser. Moi, perso, je l'utilise à 80. Il faut que vous mettiez une valeur entre 60 et 100. Donc, à vous de juger quelle est la plus performante pour vous. Moi, perso, 80, je trouve que c'est très bien chez moi. Ensuite, la quantité de VRAM. J'ai un très bon PC, je l'ai mis au max. Si vous voyez que vous avez quelques latences, quelques retards d'affichage, vous pouvez le baisser en fonction des performances de votre PC. Variabilité des ombres, on n'y touche pas. Ensuite, sur la résolution. Donc là, j'ai mis normal sur la résolution texture, normal sur le filtrage anisotrope. Si vous avez besoin de gagner un peu en performance, vous pouvez vous mettre en faible ou très faible selon votre PC. Mais en normal, pour un PC nouvelle génération, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin en termes de détails, puisque après, vous allez perdre des FPS et c'est vraiment pas le but sur ce genre de jeu. Ensuite, la profondeur de champ, on n'en veut pas. Niveau de qualité des détails et de la résolution des particules, on est en faible. Les impacts des balles, moi je préfère les laisser puisque c'est intéressant de voir où est-ce qu'on tire, notamment pour la gestion du recul et tout. Vous pouvez l'enlever, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner des FPS, donc je vous conseille vraiment de le laisser. Effet de persistant, on n'en veut pas. La qualité des shaders, on se met simplement en faible afin de gagner un maximum de FPS. Affichage de texture de la demande, on n'en veut pas, surtout que ça, c'est vraiment un gouffre à FPS. Donc si vous avez cette option affichée chez vous, enlevez-la, vous allez vraiment gagner en performance. Qualité de l'affichage des textures locales, en faible. Ensuite, on passe sur les ombres et lumières. On est en faible sur la qualité des ombres et des ombres à l'écran. Sur l'occlusion ambiante, la réflexion de la lumière, on met en 100. La qualité des reflets statiques, on est en faible. Ensuite, sur l'environnement, au niveau du détail du terrain, je vous conseille de mettre proche si vous avez un PC moyenne gamme.
Moi, je me permets de mettre tous parce que ça me permet de voir beaucoup plus loin comme je suis joueur sniper. Donc, ceux qui veulent jouer au snipe ou qui ont l'habitude de rentrer dans des combats en très long range, vous pouvez mettre sur tous si vous avez un bon PC. Sinon, je vous conseille de mettre proche. Ensuite, pour la mémoire du terrain, vous mettez au max. Vous mettez la qualité volumétrique en faible, qualité physique reportée 100, volume de gris météorologique 100, qualité de l'eau 100. Tout ça, ça va être des gouffres à FPS et c'est pas très intéressant, mis à part d'avoir un très beau jeu si vous faites la campagne. C'est des paramètres qui ne nous servent vraiment à rien du tout lorsque vous cherchez la performance. Ensuite, on va dans l'onglet vue. Donc moi, je joue en champ de vision 120, sachant que je suis clavier souris. Donc ceux qui sont à la manette, je vous conseille en multi de jouer entre 105 et 110. Et si vous êtes vraiment rusher et que vous avez l'habitude, vous pouvez varier entre 110 et 120. Mais l'aim assist est beaucoup plus efficace lorsque vous jouez entre 100 et 110. Pour avoir testé un petit peu la manette récemment, je me suis rendu compte qu'en 120, vous avez beaucoup plus de mal à aller chercher l'aim assist que en 110. Ensuite, on va se mettre en prédéfini au niveau du champ de vision de la visée. C'est très important ce paramètre. Le champ de vision va rester en large. À la troisième personne, on reste à 90. Et au champ de vision de véhicule, on met en large. C'est important aussi, lorsque vous avez l'habitude, notamment sur Warzone, d'utiliser des véhicules, d'être en large pour bien gérer et pour pouvoir faire un tour à 360 degrés autour de vous pour voir où est-ce qu'il y a éventuellement des ennemis cachés. Donc là, très important aussi, flou de caméra, flou de mouvement, on les enlève. Ça, c'est des choses qui nuisent vraiment au gameplay, donc on les enlève. Le grain de l'image, c'est pareil, on le met à zéro. Les mouvements de caméra, toujours 50%, vous les mettez au minimum. La transition visée à la troisième personne, la caméra spectateur, point de vue du jeu. Ils ont mis un nouveau système de caméra au niveau de la caméra spectateur. Donc vous pouvez switcher, il y a un bouton in-game pour le faire. Donc peu importe ce que vous mettez là. Là, c'est une nouveauté depuis MW2, le grenade flash inversé. J'avais fait un short sur la chaîne pour vous le montrer. Donc en gros, lorsque vous allez prendre une grenade flash, habituellement, vous avez un grand flash blanc qui vient vous éblouir, surtout si vous avez beaucoup de luminosité sur l'écran, par exemple avec les filtres. Là, ça permet qu'au lieu que le flash blanc vienne vraiment vous éblouir, c'est un flash noir qui va venir, donc c'est comme si l'écran va s'éteindre pendant quelques secondes. Donc c'est vraiment reposant pour les yeux, surtout lorsque vous allez faire des petites maps comme Shipment, comme il y a Shoothouse qui va revenir. Lorsqu'il y a tout le temps des gens qui jettent des flashs, des fois il y a des défis où il faut flasher des gens pour les tuer. Lorsque vous faites ça, vous allez vraiment vous reposer les yeux et ce sera beaucoup moins stressant de prendre une flash dans le jeu. Donc je vous conseille d'utiliser ce paramètre. Et salut, t'es encore là? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!